Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Comme je vous le dis à chaque fois, donc je vous propose toujours des recettes magnifiques, pleines de goût, pleines de saveurs, faciles à réaliser. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette fastueuse. Donc, c'est à base de poulet et gombo. Donc, ce légume que j'apprécie énormément pour ses qualités. Donc, il est plein de qualités, plein de vertus, plein de bienfaits pour notre santé. Donc, je vous conseille vivement de consommer le gombo. Ce légume qui est devenu indispensable dans ma cuisine, je fais des recettes avec le gombo régulièrement et j'essaye de temps en temps de vous partager mes recettes. J'espère que vous allez les refaire chez vous et que vous allez les adorer. Si oui, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours. Voilà. Donc pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin des morceaux de poulet, donc des morceaux de blanc de poulet, de pulpe de tomate, un demi poivron jaune, un demi poivron vert, deux oignons, donc un oignon rouge et un oignon jaune, de l'ail et bien sûr du gombo. Voilà, donc on passe à la préparation de nos ingrédients. On commence par couper l'oignon en lamelles, comme vous voyez. Donc les deux oignons, l'oignon rouge et l'oignon jaune, on les coupe en lamelles. Pareil pour l'ail, donc je l'écrase puis je le coupe en tout petits morceaux. Voilà la quantité des ingrédients, vous allez les retrouver dans la barre d'infos comme d'habitude. Je coupe par la suite le poivron jaune et le poivron vert. Donc un demi poivron jaune et un demi poivron vert. On les coupe en julienne puis en petits morceaux. Vous pouvez même ajouter un demi poivron rouge si vous le souhaitez. Après d'avoir bien nettoyé mes gombos sous l'eau, donc n'hésitez pas à les frotter avec une éponge bien propre pour enlever toutes les impuretés. On coupe les deux extrémités comme ceci. Voilà. On les met de côté, donc on réserve tous les ingrédients pour la recette.
Dans mon wok bien chaud, j'ai versé environ une petite tasse de l'huile végétale à laquelle j'ai ajouté donc environ 10 grammes du beurre. Je laisse le beurre fondre. Voilà. Je pose par la suite mes morceaux de poulet. Je poivre. Je sale. J'ajoute une cuillère de garam masala, une cuillère de curcuma, une cuillère à café de gingembre, donc en poudre. Vous pouvez le remplacer par du gingembre frais, bien évidemment. Je mélange très bien mes morceaux de poulet. Je vais les faire revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Voilà. Une fois mes morceaux de poulet sont bien cuits, sont bien dorés comme vous voyez, je les réserve de côté pour la suite de ma recette. Dans le même wok, je verse l'oignon coupé en lamelles. Je vais les faire revenir quelques minutes. J'ajoute bien sûr l'ail. Je mélange très bien. Je laisse revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc, il faut que les oignons deviennent translucides. Là, j'ajoute les morceaux de poivron jaune et vert. Bien sûr, si vous avez du poivron rouge, vous pouvez le rajouter. Je mélange à nouveau. Pour plus du parfum, j'ajoute 2 feuilles de laurier. Je mélange très bien. Je verse la tomate, donc la pulpe de tomate. Vous pouvez la remplacer par de la tomate fraîche, bien évidemment. Il suffit juste de l'éplucher et enlever les pépins et de les couper en tout petits morceaux. Je mélange à nouveau. Je finis par rajouter un verre de fond de volaille. Je mélange très bien, je recouvre et je laisse ma sauce mijoter quelques minutes. Après 5 minutes, j'ajoute une dosette de sucre. Bien sûr, c'est facultatif. C'est juste pour avoir plus de goût.
et de diminuer l'acidité de la tomate. Voilà, donc je mélange à nouveau. Je finis par remettre les morceaux de poulet bien dorés, bien cuits dans la sauce. C'est le moment de rajouter les gombos. Vous avez bien évidemment le choix de les mettre entiers, voilà, comme dans ma recette, ou bien de les couper en petits morceaux, ou bien en sens de la longueur, c'est comme vous souhaitez. Si vous utilisez des gombos surgelés, donc il faut les mettre à cuire avec l'oignon et l'ail. Voilà, c'est très important. Je recouvre et je laisse mijoter encore 10 minutes, voire 15 minutes, pas plus. Il ne faut pas dépasser 15 minutes, sinon vous allez vous retrouver avec une sauce gélatineuse. Donc, vous savez très bien que le gombo, une fois cuit, il devient gélatineux ou bien il devient épaisse. La sauce devient très épaisse. Donc, je vous conseille vraiment de poursuivre la cuisson que 10 minutes à 15 minutes. Voilà. Là, après 15 minutes, regardez, ma sauce est prête. Croyez-moi, elle est magnifique, super bonne, succulente, pleine de goût, pleine de saveur. Donc, pour le dressage, j'ai accompagné ma recette avec du riz. Donc, ça marche très, très bien avec du riz. Je pose le riz au milieu de mon assiette, tout autour, ma sauce au gombo. Donc, gombo et poulet. Croyez-moi, c'est un vrai délice, cette sauce facile et rapide à réaliser, comme vous l'avez vu. Voilà, ensuite, je parsème des herbes aromatiques fraîches, donc coriandre et persil. Voilà pour la fraîcheur, pour le visuel. Et voilà, notre recette est prête. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, de liker, de partager, de commenter. Ça me fait énormément de plaisir et c'est entièrement gratuit. Vous allez apprendre plein de choses avec moi. Voilà. Ça m'encourage de faire davantage, de réaliser plein de recettes et de vous partager le maximum de mes recettes. Merci à tous. Donc, je vous donne un rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!